Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous faire part des informations concernant le jeu Genshin Impact développé par MiHoYo. On avait découvert et joué tous ensemble en live à ce jeu et c'était un kiff total. Eh bien, sachez que le jeu sortira cet automne 2020 et je rappelle qu'il sera disponible sur PS4, PC, Nintendo Switch, iOS et Android avec du cross-platform. Retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Stéphane Le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Invocation sur le jeu de la même balle les Zenzu. Nous allons partir à la chasse encore à nouveau de Majin Vegeta, mais ce n'est pas tout, également le sel forme parfaite parce que c'est vrai que hier j'ai chopé le Majin Vegeta légende de Finchelou, donc franchement j'étais super content, au moins je me suis pas fait shaft. Du coup, si vous avez raté la vidéo, eh bien, je vous invite à aller la voir. Elle a été postée hier sur la chaîne. Pour le coup, je suis plutôt satisfait. Mais, le sel n'est toujours pas là. Le sel n'est toujours pas là et j'ai envie d'aller également le chercher. Mais je dis pas, si j'arrive à avoir Majin Vegeta, histoire de le monter en étoile, je serai encore plus satisfait. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que j'ai vu que la cape Z, famille royale de Vegeta, il faut l'avoir à 3 étoiles. Donc 3 étoiles, ça veut dire qu'il faut absolument que j'arrive à le rechoper une fois supplémentaire. Les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus sur cette vidéo en mode Genkidama. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour ne rien rater. Le but, comme vous pouvez le voir, j'ai bientôt 4000 cristaux, j'ai 3875 cristaux. On va invoquer sur les paliers. Je vais obtenir des tickets avec le Sparking Glue garanti. Ensuite, voilà, on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura également un live aujourd'hui à nouveau sur Captain Tsubasa. Franchement, les gars, j'ai kiffé le jeu et je pense qu'on ira y jouer online peut-être en fin de journée si j'ai le temps. Voilà, tout simplement. Bref, allez, liste des paliers, on est au palier 5. Il y a nouveau perso, chance x2. Chance x2, pourquoi pas? Moi je veux bien. Chance x2, moi je veux bien, mais souvent c'est soustraction par 2, moi, sur les chances x2. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, bah, surtout, en vrai, les gars, j'ai pas eu sel, mais j'aimerais bien avoir encore le Majin Vegeta pour l'avoir 3 étoiles. En vrai de vrai, je préfère avoir encore un doublon de Majin Vegeta avant le sel. Mais si sel, tu viens, frérot, viens, tu peux, t'as le droit de venir. Après, pourquoi pas? Majin Vegeta et sel de la même multi, hein, pourquoi pas? Bon, let's go, est-ce que vous êtes prêts? Détecteur, une fois. Le Majin Vegeta, le sel forme Perfect Loo. Ok, 3, 2, 1. Yeah, let's go. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Fais-nous plaisir. Voilà, je vous l'ai dit, chance x2. Pour l'instant, 3 capsules, pas d'ECJ. Moi, voilà, les chances x2, faut qu'on m'explique. Donc là, pour l'instant, c'est extrême garantie. Glissé rouge, extrême garantie, pas d'ECJ. Il défonce pas. Il se fait défoncer, beaucoup. Et je prends tarif. Voilà, extrême garantie sans chance x2. Faudra m'expliquer, hein. Je sais pas si vous aussi vous faites shaft sur les chances x2. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'aimerais bien un peu votre avis parce que j'ai l'impression que le chance x2, c'est pas là où j'ai de la chance, moi. C'est non, je connais pas. Parce que là, éclataxe. Éclataxe, un multi. Tu vois, là, Chaozu, tout ça, là, c'est Bou super, pourquoi pas, en EX. Mais clairement, c'est pas ce qu'on veut. Guldo non plus. Ok, voilà. Chance x2. Voilà, la chance x2. Bah, la chance, bon, on prend le ticket parce que clairement, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Mais voilà, la chance x2. On est bien, non? Là, ça respire la chance. Allez, on recommence là. Palier numéro 6. Let's go. Du coup, on a pris le ticket pour... il faut 5 tickets, si je dis pas de bêtises, pour avoir Sparking Garantie. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'arriver à 5 tickets. J'espère avoir assez de cristaux. On verra bien s'il faut rajouter. Bah, les gars, vous savez très bien, on ira rajouter, hein. Vous connaissez. Bref, 3, 2, 1. Ikea, let's go. Allez, c'est parti. Majin Vegeta LF. Majin Vegeta LF. Voilà. Ça, c'est pas chance x2. Et ben, quand c'est pas chance x2... C'est du sous passage in blue. Là oui, 2 sparking garantie. 2 sparking garantie déjà. Au minimum. Au minimum, mesdames et messieurs. Au minimum. Voilà, il le défonce, éclate-le bien. Éclate-le bien, c'est ça qu'on veut voir.
C'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ça, par contre, ça, je veux pas voir. Les héros comme ça, là, en sauzeur, je veux pas voir. Ok, EX, Guldo. Attention, ça va être quoi, les Sparkling? Il y a deux Sparkling, là, dans cette multi. Deux Sparkling Guldo dans cette multi. Le sel. Alors, frère, t'es bien gentil, mais laisse la place à celui qui est plus fort que toi. Tu vois, la première forme, voilà. Kefla. Bon, pourquoi pas, on prend hein, Kefla. 3. Ok, c'est 21, Kefla, c'est 21. Bon, oh, ok, belle multi. Voilà, belle multi. Pas besoin de chance x2, je sais pas quoi. La multi, elle est propre. Quand même, c'est propre. Du coup, waouh. Waouh, waouh, waouh. C21, 8 étoiles. Kefla va passer 9 étoiles. Oh là 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 là. Oh, le délire. Oh, le délire. Oh là, C21. La C21 aussi, ça va être la dinguerie. Ok. Multi vraiment très intéressante, les amis. Maintenant, la gratuite. La gratuite. Ok. Est-ce que dans la gratuite, on peut avoir un LF? Frère Vegeta. Viens, frère. Ok. 3, 2, 1. Yeah, let's go, c'est parti. Allez, fais plaisir. 5 capsules. SSJ, Namek en feu, 5 capsules SSJ, ça commence bien. Ok, il prend pas le dessus. Glissé rouge, IX garanti. Fume-le. Sparking Glue Garantish. C'est parti, allez. Allez, fais-nous plaisir. Un petit Majin LF. Un petit Majin LF, frère. Un petit Majin LF. Après, bon, si c'est celle, pourquoi pas, mais... Alors, bon, et on le prend parce qu'il est vraiment très bon également, ce Vegeta. Deux fois le même. Ok, bon, on prend, il est bien comme Vegeta, quand même. Il est vraiment très bien. Je crois qu'il est Blast, lui, si je dis pas de bêtises. Ok, let's go, ok, rien d'extraordinaire là, bon. Déjà, deux Sparkling de Vegeta, pourquoi pas. Il passe 6 étoiles quand même, donc on prend. C'est une très, très bonne unité. La cap Z, elle change ou pas? Ouais. Lors d'un combat, augmente de 35% la défense et l'attaque d'énergie de base des classes famille royale de Vegeta. Donc vraiment, double cap Z. Donc ça, c'est vraiment le top. Il augmente à la fois la défense et l'attaque d'énergie de 35%. C'est... Franchement, ce Vegeta-là, il est très, très intéressant. Il y aura peut-être moyen de le jouer dans une team famille royale de Vegeta en Blast. On verra ce qu'on pourra faire avec, mais c'est intéressant. Ok, on a combien de tickets, là? On a combien de tickets, du coup? Ok, 2 tickets. Celui-ci, le palier 3, si je dis pas de bêtises. Ok, il y en a 2 à récupérer, donc ça m'en fera 4, plus encore une multi, 5. Ok, normalement, on a assez de cristaux. C'est parti. 3, 2, 1... Exemplaire Pierre! Allez, let's go! C'est parti! Fais-nous plaisir! Ou pas? Une capsule! Sérieusement, une capsule! Wouh! On va aller loin avec ça! Wouh! Une capsule! C'est chaud là! Là, c'est chaud! À moins qu'il y ait un switch! Un petit switch! On connaît les switch. Switch. Ou pas. Il n'a pas envie de switcher là. Là, il a envie de shaft. Pas de switch, il a envie de shaft. Ok. Éclataxe. Allez. Oh là 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 là. Oh la tristesse. Oh la tristesse de la multi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La tristesse. Ok. Très bien. Bon, 2 tickets. Ok. Encore une multi. Et après, c'est le... ticket, enfin les 5 tickets pour le Sparkling garantie et pourquoi pas avoir le Majin Vegeta LF dans ce ticket. Ok, détecteur, une fois. Majin, ok, retour. 3, 2, 1. Donc là, c'est de l'IX garantie au minimum. Examiner une pierre! Allez, c'est parti. Ok, allez. 5 capsules, Namek en feu. Sparkling garantie! Allez, Kuman attack. C'est ça qu'on veut voir. Allez, maintenant, fais plaisir. Ok, boost super. C13, ok. C15, ok. Allez, ça, on s'en fout. Boost mal incarné, pas mal.
Goku pieds nus. Goku le gitan. 2. Ok, je prends. Je prends parce que c'est le Gohan SSJ2 Zenkai. Donc oui, je prends, ça va me monter en étoile. C'est intéressant. Le Gohan de type violet Zenkai. Très, très intéressant. 3. C'est 13, ok. Bon, déjà, 3 sparkings, ça va, ça va. 3 sparkings, c'est déjà pas mal. 3 sparkings, c'est pas mal avec le Gohan, là. Parce que du coup, je n'avais pas beaucoup d'étoiles. Et du coup, voilà, il monte à 5 étoiles, encore 2 étoiles. Et on pourra avoir la possibilité de le Zenkai, surtout qu'il y a le Gohan SSJ2 de type rouge Legendary Finish qui va arriver Zenkai. En gros, tu as ces deux Gohan-là dans la même team. Si les deux sont Zenkai, ça serait un gros, gros bordel. Ça pourrait être une team incroyable. Ok. Très bien, le Bruyex. Ok, lors d'un combat, augmente de 30% l'attaque physique de base. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Très bien. Maintenant, voilà, j'ai récupéré le ticket. Donc là, on est parti, les gars, pour le Final Battle. Pour aller chercher ce Sparkling Guarantee. On a les 5 tickets. Exclu, détecteur, Vegeta, Cellu. Donc là, un des deux, clairement. Les autres, j'en veux pas. Les autres, j'en veux pas. Un des deux. Les gars, max de pouces bleus sur cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas également à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche. Et je vous le redis, peut-être que ce soir ou en fin de journée, on verra. En fonction de mon planning, on ira peut-être faire du Captain Tsubasa en mode online pour aller défoncer les gens en online. Oui, monsieur, on va défoncer les gens. 3, 2, 1. Yeah! Allez, let's go. Allez, 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 allez. 5 capsules. Pas des CG. Ça part mal déjà pour l'animation Broly, tu vois. Après, ça veut rien dire. Hein. Des fois, t'as pas Broly. Et du coup, t'as quand même à Legendary Finish. Mais là, ça part. Voilà. Bon, de toute façon, c'est Sparking Guarantee. Celle. Freezer. Ok. Bon, c'est le Freezer Transfo. En soi, très bonne unité. Mais clairement, j'aurais préféré celle et Vegeta, tu vois. Ok, bon. Très bien. Le petit Freezer. Freezer Transfo. Et bah, écoutez, les gars, voilà, on a quasiment claqué encore 4000 cristaux. Par contre, pas de sel, pas de Majin Vegeta supplémentaire pour les étoiles. Ça, c'est bien dommage. Donc, voilà. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, peut-être ce soir en live sur Captain Tsubasa, peut-être sur YouTube ou Twitch. Je vais voir. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour dans la description pour le lien Genshin Impact et également pour retrouver le lien de ma chaîne Twitch. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous follow à la chaîne également Twitch en activant les notifications. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!